Bon, alors aujourd'hui, petit match de foot et il y a tous les joueurs en train de se préparer activement. Voilà, ça s'échauffe très très sérieusement. Bon, c'est les mecs en bleu, c'est les mecs qui débutent au foot, on va voir ce que ça donne. Quelle est la tactique à ton avis pour battre France 98? Il n'y en a pas. C'est impossible? Tout est possible. Même un peu. Marcel. Les enfants, ils veulent être avec à côté. Non mais c'est bien, ouais. Ah, il est sympa, il fait semblant, yeah. Je suis emmerdé, il n'y a aucun enfant qui veut venir avec moi, ils veulent tous venir avec vous quoi. Mais un maillot bleu. Un maillot bleu, tu crois, ouais. C'est là, maillot bleu. Et 1, et 2, et 3, 0. Bon, en fait, au bout de 5 minutes de jeu, ça faisait déjà 12 ans. Et attention, car à ce moment-là, les Blancs décident de faire rentrer leur joker. Suite à ma prestation, on me replace au poste de chauffeur de salle. Fin du match, on a pris 15-1, mais quel bonheur de jouer contre des légendes. C'est Didier. Attends, est-ce que tu me prends en équipe de France? Non, c'est pas suffisant, c'est ce que j'ai vu. Ils ont une deuxième chance, peut-être. On est là, c'est bon. Il est là. Merci pour le petit pont, hein. Merci pour le petit pont, ma poule. Un pédo quand même, hein. Un pédo, c'est bon. Oh putain. Et pour finir, on vous laisse le plus beau but, le seul but des Blancs, sur une passe décisive exceptionnelle d'un joueur d'exception. L'académie, alors, qu'est-ce que c'est? En peu de temps, l'académie, c'est un triple projet scolaire sportif éducatif. On accompagne un maximum de jeunes qui sont passionnés par le football. On leur fait surtout comprendre que c'est important de bien travailler à l'école, c'est important d'avoir un bon comportement. C'était la Diomède Cup. Merci à Bernard Diomède de nous avoir invités et vous pouvez avoir des infos sur l'Académie Diomède en cliquant ici.